Et salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo loot, bilan de la bannière de fer qui vient de se terminer. Franchement, moi je suis plutôt content de ma bannière, même si j'ai pas looté de choses énormissimes. J'ai looté de petites choses qui vont me servir. Vous voyez, j'ai aussi quelques petits loots de Shax et aussi de la nouvelle monarchie, vous allez voir. Donc j'ai looté des gants plutôt sympas avec de la recharge de sniper. Ça peut toujours servir, hein, pourquoi pas en PvE aussi la recharge de sniper est assez sympa, assez intéressante. Mais voilà, moi j'ai pas eu des loots énormes d'armes cette semaine. Je suis assez déçu, vous voyez, un peu à l'image de fusil à pompe avec pas franchement d'augmentation de portée, donc c'est pas très très agréable. Bref, j'ai eu plein d'armes comme ça où finalement j'avais déjà mieux ou où j'avais déjà acheté mieux chez Efredit. Je pense qu'on est tous dans le même cas, hein. Maintenant beaucoup de gens ont beaucoup de choses de la bannière de fer, surtout que la toute première semaine avec les rangs 3 et 5, on pouvait looter énormément de choses. Là, c'est devenu un petit peu plus raisonnable, hein, avec seulement les contrats. Et chez ça, Shax, pardon, des choses assez sympas. Voilà, un petit sniper, pas dégueulasse, avec du stoïcisme et du instantané, qui est plutôt cool. Après les viseurs, j'ai pas mon viseur favori, mais le longue-vue et l'embuscade sont deux bons viseurs. Donc pourquoi pas. Voilà, moi ce que je recherche actuellement, c'est vraiment un palindrome avec des perks vraiment sympas pour un peu le comparer à celui du vendeur. J'ai eu aussi un horizon des événements, mais vraiment, si vous en voulez un, prenez celui du vendeur, il est bien mieux que celui que je viens de looter là, vous voyez. Voilà, moi ce que je cherche en ce moment, c'est plutôt un palindrome avec des perks un peu sympas. J'ai eu aussi la chance, voilà, à la nouvelle monarchie d'avoir un très bon snipe, le déposition 7. Je pense que dans les semaines qui arrivent, vous allez avoir un test. J'ai coup d'œil instantané. Support vital et stoïcisme, donc de très bonnes perks pour un sniper, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Cette bannière, alors c'était de la faille, certains gens aiment, d'autres n'aiment pas. Moi je trouve que c'est un mode de jeu avec objectif, donc pour la bannière c'est toujours plus cool que le choc finalement qui incite un peu à camper, à jouer solo. Là au moins il y avait un objectif et le but du jeu c'était de pousser ensemble et tout ça. Et d'ailleurs je trouve que beaucoup de gens qui jouent en équipe ont très bien réussi cette semaine. Moi d'ailleurs toutes les parties que j'ai fait avec des abonnés se sont très très bien passées. Les parties solo, bah, ça dépendait vraiment finalement de l'équipe avec qui on était. Et là je vous mets un petit gameplay assez sympa, tout simplement parce que je vais arriver à prendre la faille 3 fois d'affilée et à la poser 3 fois d'affilée. Donc je crois que l'équipe en face n'était pas vraiment dans un bon jour, hein. J'étais en solo, donc ça devait être que des joueurs solo en face aussi. Donc voilà, un petit peu de chance, un petit peu de jeu d'équipe même en étant solo. Des gens qui m'aident à pousser la faille, donc ça s'est plutôt bien passé. Donc moi cette faille, je l'aime bien, mais ce que j'aime bien en bannière de fer, c'est tout simplement que les modes changent. Et comme on avait à un moment donné de l'Osiris avec des maps tournantes, moi je trouverais ça assez cool que les prochaines bannières, même si on est tous orientés vers l'avènement, hein, c'est ce qu'on attend le plus, pourquoi pas parler aussi des bannières qui vont revenir après, que les prochaines bannières soient dans du mode tournant, voilà, qu'on ait selon la partie de la domination, du choc, de la faille, voilà, tous les modes de jeu disponibles à 6, même pourquoi pas de l'infernal aussi. Qu'on ait le mode qu'on avait eu un peu en Osiris, un petit peu en mode, comment dire, sans le radar, mais aussi sans la réanimation, bah là qu'on ait des petites modifications, par exemple un mode bannière de fer sans le radar et sans les spéciales, par exemple, ou sans le radar et avec 3 fois des lourdes dans la partie, enfin voilà, qu'on ait un petit mode tournant en bannière de fer, moi je trouverais ça plutôt fun, ça amènerait du changement et un petit peu d'émulation, je trouve, autour de ce mode de jeu, hein, qui est. Pour moi, la bannière, ça sert un peu à amener tout le monde à jouer en PvP. Même les joueurs qui aiment vraiment que le PvE, ben, ils font la bannière pour looter un peu, pour se faire plaisir. Moi, je trouve ça plutôt cool comme événement. Je trouve qu'il remplit bien son rôle. En plus, l'histoire autour de la bannière, maintenant, a été un petit peu amplifié avec l'histoire PvE qui s'est dévoilée avec Saladin, tout ça. Donc c'est une partie de Destiny que moi j'aime bien, que je trouve efficace. Bon, il y a des parties plus intéressantes que d'autres, hein, c'est vrai, mais c'est un mode de jeu que je trouve cool, qui est bien exploité, qui pourrait l'être encore plus, voilà. Mais le bilan de cette bannière, même si j'ai pas extrêmement looté, Efredit vendait de très bonnes choses, il y avait de très bonnes armes, donc ceux qui en avaient pas des aussi bonnes encore ont dû pouvoir se faire plaisir. Pareil
au niveau des équipements, il y a de très bons casques hein, sur les trois classes. N'hésitez pas à aller voir si vous avez un casque plutôt moyen. Vous risquez d'être surpris par la qualité des casques Vent et Free. Donc vous voyez, c'est la troisième fois que je prends la faille. Oh, d'ailleurs, on me la laisse. Là, j'ai l'impression sur ce coup-là, vu que je viens de la poser deux fois d'affilée. Je vais réussir à faire une troisième fois. Donc un sans pitié. Voilà, on va terminer la partie avant d'arriver au score ou au temps maximum. Trois failles, enfin trois sports, trois failles d'affilée. Donc c'était plutôt cool, plutôt agréable. En sautant par-dessus une bulle, vous voyez, pour l'esquiver un peu, le saut TP en faille est juste dévastateur, je vous le conseille énormément. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la bannière et si vous voyez un petit peu des petites modifs, des choses qui vous plairaient dans les prochaines bannières. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!